Bonjour les amis, je fais cette vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos faites pour les projets qui se font sur YouTube. Donc je vais vous faire une pour vous montrer en fait, au cas où vous changez par exemple le level bancal, comme c'est le cas pour moi. J'ai changé le level bancal, donc j'ai démonté tout le bloc moteur et j'ai remonté. Après, bien sûr, il faudra le montage. Et pendant le montage, comme tout le monde sait, en fait, il faut monter le piston et ainsi de suite, le cylindre et la culasse. Après, il faudra, pour finir, venir ajuster, synchroniser la chaîne de distribution avec le vilebrequin, le piston. Il faut trouver le point mort haut et haut. Et là, je vous indique les repères pour la Peugeot XB 4 temps. Je précise pour un 4 temps. 4 ans qui explique 4 ans, 50 cm3. Alors les points de repère. Sur le volant moteur, on a des points de repère. Là, c'est l'indication de l'image. On a des écritures. On a le T. Je sais pas si vous voyez. On a la lettre T. F. Et là, j'ai mis le. J'ai vérifié avant de monter la culasse que c'est le point mort haut du cylindre, du piston. Ça veut dire le point le plus haut que le piston peut atteindre. Donc les repères sont là. Pourquoi le T? On a le T ici, la lettre T, qui vient avec son repère sur le truc de bloc moteur là. Bon, bref, ça vient par là. Ça, c'est un repère. Sur le carter, j'ai perdu le mot. Sur le carter, on a la lettre T qui vient se positionner ici. Bien sûr qu'on voit un petit léger décalage. Il s'est fait exprès. Parce que là, la soupape d'admission, il va s'ouvrir. La soupape d'admission, c'est le moment qui va s'ouvrir pour que le mélange soit injecté. Et le deuxième repère, sur le disque, sur la poulie de la culasse, on a une ligne qui traverse. Cette ligne doit arriver avec la ligne de cache culasse. Il doit être aligné. Forcément, donc c'est pas pratique en fait de mettre la poulie avec la chaîne d'ajuster, donc il faut aller délicatement. Et après, moi j'ai pas vissé, comme vous voyez, il faut visser après. Il faut mettre la poulie sur l'axe, vous voyez, il bouge, on peut l'ajuster. Après, il y a un point pour mettre le tournevis pour venir par exemple ajuster avec le point de la vis. Je peux vous voyez là. Là, je vais tendre un petit peu. Vous voyez? Là, je peux fixer ma vis. Tranquillement. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que c'est très important, ce genre de détail pour le démarrage du moteur. Sinon, votre scooter, il ne va pas démarrer.